Les Hells Angels font un retour remarqué au Québec. Moi, ils me dérangent pas. Ils sont polis, ils sont gentils. Ils m'ont même donné un beau toutou pour mes petits-enfants. Oh. Les nouvelles commencent maintenant. On s'en va à l'international maintenant où il y a 8 ouragans de catégorie 5 en même temps qui produisent des rafales de plus de 400 km/h. Alors, comment ça se passe à Miami? Pas très bien, Pierre! J'ai peur pour ma vie! Mais au moins, ça fait des bonnes émotions! Gone with the wind. Et à Cuba, quel est l'état de la situation? Les autorités conseillent à tout le monde de ne pas sortir dehors! Sous aucun! Prétexte! Politique municipale maintenant, on s'en va rejoindre. On s'en va rejoindre au sport, Renaud Lavoie. Renaud, il y aurait, semble-t-il, du nouveau dans le dossier des Nordiques à Québec. Mes informateurs me confirment que ce matin, Gary Bettman, lors d'un déjeuner avec sa garde rapprochée, eh bien, paraît-il, Pierre, qu'il aurait peut-être insinué, toujours selon mes informateurs, que les chances de la Ville de Québec d'avoir une équipe dans la ligne nationale de hockey seraient passées de quasiment nulles à presque nulles. Wow! C'est des bonnes nouvelles, ça! Oh! Nouvelle de dernière minute, TVA aurait trouvé la personne qui a payé son billet pour le Grand Prix de Formule 1. Andréane, présentez-nous cette perle rare. Vous devez aimer ça, les courses de voitures électriques. Vous êtes le seul à avoir payé votre billet. Oh oui, c'est pour ça que mon billet m'a coûté 24 millions. Au moins, vous, ça vous a pas coûté une élection. De retour à vous, Pierre. Et maintenant, un accommodement accordé à une mosquée de Montréal fait jaser Marie-France. Oui, Pierre. Des dirigeants d'une mosquée ont demandé qu'il n'y ait aucune femme sur le chantier de construction d'en face. Oh, on m'annonce à l'instant, Marie-France, qu'aucune demande n'a été faite à la mosquée et aucun accommodement n'a été accordé. Comme on dit, fake news. Rigueur, rigueur, rigueur. Ah? C'est tout pour les nouvelles. Restez à l'antenne dans un instant. Vlog!